Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3 saison 1 qui va vous faire gagner des XP très rapidement et très facilement. Donc c'est un glitch avec les matelas, donc comme à l'ancienne. Donc là je suis un peu en retard sur la vidéo par contre, donc j'espère que je vais quand même gagner beaucoup d'XP, donc on va voir ça tout de suite. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra se rendre dans le mode créatif de Fortnite. Ensuite près du pad, vous allez rentrer le code que je vais vous dire, donc le code c'est 1, 2, 1, 3... 6 0 0 2 9 5 1 2. Ensuite, vous mettez point d'interrogation V égale 20 pour la 20e version. Donc, il faut vraiment choisir la 20e version pour que le glitch fonctionne. Parce que je ne sais pas si le glitch fonctionne sur les autres versions et je ne pense pas. Donc, notez exactement le même code que moi. Donc, ensuite, vous acceptez. Et vous attendez que la map se charge. Donc bien entendu, le code sera en description et en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Alors en attendant, ce que vous pouvez faire, en attendant que la map charge, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement liker la vidéo, partager un maximum et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et n'oubliez pas de commenter aussi pour le référencement. Donc merci à tous ceux qui likent, qui commentent et qui partagent. Ça aide énormément la chaîne, donc merci à tous ceux qui le font. Alors quand la map est chargée, ben vous rentrez dedans tout simplement et là vous allez, ça va lancer la partie directement. Là ce que vous pouvez faire pour soutenir encore plus la chaîne, c'est tout simplement aller près de ce bouton là, appuyer sur carré et noter le code SCM en minuscule ou en majuscule pour me soutenir en tant que créateur sur Fortnite. Donc ça mettra mon code créateur dans la boutique Fortnite. Donc merci à tous ceux qui le mettent, bien entendu ce n'est pas obligatoire, mais ça aide de ouf et ça me soutient, ça me donne de la motivation et tout ça. Donc voilà, merci à tous ceux qui le font. Alors le glitch avec les matelas que je vais vous présenter, c'est celui qui se trouve près du fusil d'assaut à rafale, donc celui-ci. Donc regardez, prenez des points de repère pour vous repérer. Donc c'est ici, là ce que vous allez faire c'est tout simplement mettre 5 plats, 5 sols comme ceci, 1, 2, 3, 4, 5... Ensuite, vous mettez 3 rampes, 1, 2, 3 rampes, et là, vous remettez un sol, et logiquement, il y a un petit bouton qui devrait se cacher. Peut-être que je me suis trompé. Je vais vérifier, mais c'est bizarre. Ah, peut-être qu'il faut que je fasse une danse. Non, ça n'a pas l'air d'être ça. Donc, je vais vérifier, mais à mon avis, je me suis trompé quelque part. Donc, je vérifie. Ok, effectivement, je me suis trompé. En fait, il ne faut pas mettre 5 sols. Il faut mettre 5 rampes. Donc, je vais détruire ça. Hop. Voilà. En fait, il faut mettre... Donc, à partir du pistolet, du fusil d'assaut à rafale, vous mettez 5 rampes. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, en fait, vous mettez 3 sols. 1, 2 et 3 sols. Et là, logiquement, il doit y avoir un bouton. Que je ne vois pas. Peut-être qu'il faut que je fasse une petite danse pour le faire apparaître. Vraiment. Non. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce tabarnak? Attendez, je vais vérifier encore une dernière fois. Ok, c'est bon, j'ai compris c'était quoi le problème. Donc là, je recommence. Donc je vais sur l'île. Je retourne sur l'île. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est obligatoirement prendre l'arme en fait. Le fusil d'assaut rafale, il faut le prendre. Donc vous le prenez, hop. Voilà, vous l'interchangez. Ensuite, vous allez gagner des XP. Donc là, ça veut dire que ça a bien fonctionné. Et maintenant, vous allez construire 1, 2, 3, 4... 5 rampes et ensuite 3 plats. 1, 2, 3 plats. Et là, normalement, le bouton va s'afficher. Voilà, parfait. Le bouton est affiché. Donc ensuite, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur carré pour interagir avec ce bouton. Ensuite, vous arrivez ici. Et là, le but, c'est de monter sur les matelas. Donc regardez, on va mettre une rampe. Et là, on va monter sur les matelas. Donc il faut savoir que je suis niveau 16. J'ai 48 000 XP. Donc on va voir combien d'XP ça va me rapporter. Donc là, ça m'a rapporté 4 000. Là, ça me rapporte encore des XP. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est un glitch d'XP AFK. Donc, vous restez là et ça va vous rapporter des XP en illimité. Donc, voilà. Pendant 4 heures, ben, enfin 3h45 minutes avec le chrono qui est en haut à droite, vous restez là et vous allez gagner max XP.
Donc là, profitez-en parce qu'en fait, le glitch, normalement, il va être patché très rapidement. Donc là, déjà, on peut voir que ça gagne moins d'XP. Mais je pense que si on l'aurait fait dès le début, si je l'aurais présenté dès le début, j'aurais pris beaucoup plus d'XP. Mais je pense que comme il y a beaucoup de personnes qui le font, bah, l'XP a été diminué. Et ça reste quand même rentable. Hein. Là, je gagne des XP sans rien faire. C'est plutôt pas mal. Regardez, je gagne 1000 par 1000, plus ou moins. Donc je suis à 33 000, voilà, 32 000, je gagne 1000 par 1000, donc c'est assez rentable. Donc voilà, testez de votre côté, voir si c'est aussi rentable. C'est possible que vous gagnez plus, c'est possible que vous gagnez moins, ça dépend. Ça varie des comptes. Donc là, je vais vous montrer un autre glitch sur la même map. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement faire réapparaître. Donc c'est un autre glitch, une autre variante. Donc là, je suis niveau 16 avec 30 000 XP. Donc l'autre glitch, il se passe de l'autre côté. Donc là où il y a le pistolet laser. Donc je pense qu'il faut le prendre aussi, je suis pas sûr, je pense qu'on n'est peut-être pas obligé de le prendre, mais prenez-le quand même au cas où. Et ensuite là ce que vous allez créer c'est 11 plats. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là quand je vais passer sur la 11e plaque, le 11e sol, mon personnage aura une lueur bleue normalement. Ah bah peut-être qu'il faut en mettre 12. Ah voilà, c'est 12 ans. En fait, il faut mettre 12 sols. Et regardez, à chaque fois que je vais passer ici, je vais gagner des XP. Donc regardez, je suis à 27 000. Je pense que en passant deux fois, j'ai gagné 3 000. Donc là, il y a un... soit ce que vous faites, c'est que vous tournez en rond comme ça et vous gagnez des XP comme ça en illimité en tournant. Après, vous pouvez mettre genre des élastiques pour que votre personnage tourne en rond tout seul. Comme ça, vous gagnez des XP en sans rien faire, en AFK. Et regardez, là, je suis à 15 000 XP. Donc j'ai pris... 12 000 XP en même pas 5 secondes. Et ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller mettre une rampe comme ceci. Et là, en fait, vous sautez. Voilà, comme ceci. Et vous allez gagner des XP. Donc après, si vous avez un rapid fire, ben, vous le mettez sur la touche X pour sauter en illimité. Si vous êtes sur console, sur PC et que vous avez un mode menu, enfin un truc là, je sais plus comment ça s'appelle, ben, vous mettez un... X que ça spam votre touche saut en illimité et regardez je gagne énormément d'XP. Donc là je suis passé, j'étais à 23 000 XP, là il me reste 66 000 XP, j'ai gagné 30 000 XP en l'espace de 10 secondes. Donc voilà, je pense que c'est vraiment le meilleur glitch actuel sur Fortnite. Donc si vous voulez le faire, ben, profitez-en maintenant parce que ben, bien entendu après ce sera patché. C'est possible que vous gagnez beaucoup plus d'XP que moi. Enfin voilà, c'est un des meilleurs glitch donc voilà. Après je vous incite pas à le faire. Mais je peux vous garantir qu'il n'y a pas de ban parce qu'en fait Fortnite a répondu à un tweet d'une personne qui donc le service français a répondu à une personne donc à un abonné que à une personne random enfin random que Fortnite ne bannirait pas les joueurs qui utilisent des glitches parce que ce n'utilise pas de logiciel. Donc apparemment il n'y a aucun glitch de ban aucun risque de ban à cause des glitches. Donc voilà. Faites ce que vous voulez, moi je vous incite pas, moi je vous fais que vous le présentez. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace.